Je me trouve aujourd'hui dans Parc Extension et je me questionne à savoir comment ça se passe avec les banques alimentaires. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'entrer dans cette épicerie pakistanaise dont le propriétaire vit ici depuis 32 ans. Actually, the people don't have jobs. Every single day, like 15 to 20 people, women and men, they come for the job, they ask me for the job. Il me confie que de plus en plus de clients essaient de le voler. Ça lui brise le cœur et il finit par leur remettre la nourriture gratuitement. Give food free. Donc là, le propriétaire de l'épicerie m'amène au temple Sikh de l'autre côté de la rue. Il est 10 heures du matin et j'y découvre des dizaines de personnes en train de manger, des aînés, des jeunes. On a fait des réserves de nourriture et aussi d'épices. Les deux hommes m'expliquent que la banque alimentaire ouvre très tôt le matin et ferme très tard le soir. Il y a au moins 250 personnes par jour. Hi. Je fais alors la rencontre d'une petite famille arrivée de l'Inde il y a une semaine. L'adolescente 14 ans raconte que ses parents n'ont pas d'emploi et qu'ils n'ont pas trouvé d'appartement. We are living in sharing now. No apartment we are finding. We searched. You are your brother and your mother. Yes, and my father. What shelter? What shelter we are living in sharing with one family. It's very difficult to manage. À la sortie du temple, j'ai fait la rencontre d'une autre dame. Donc là, on se dirige dans un appartement où plusieurs familles vivent ensemble et il y a aussi un nouveau-né, semble-t-il. Hi. Morning. Good morning. Do you speak in English? Yes. J'entre à l'intérieur et je découvre alors un 5,5 à peine meublé. Hi. Quatre familles y vivent sur des matelas sur le sol. How are you? Oh, little baby. Oh, oh, oh. 3 weeks ago. On m'explique que la jeune maman est partie d'Inde enceinte il y a 3 semaines et elle a finalement accouché à l'hôpital général juif dernièrement. Yes, baby born in Canada. No, 9:30. Ça leur coûte 930 $ par mois et c'est trop cher pour eux, me disent-ils. Il n'y a qu'une salle de bain dans un mauvais état. Et pour combien de personnes? So how many people live here? Ten people. Ten people. Yes. Have you ever seen this situation before? Is it worse? No. It's worse. It's worse. No, never see before like this. Very sad people. And sometimes the people say, believe or not, they say why we came to Canada. They say why we are stupid we came to Canada because they came with the big dreams. To Canadian government, si je pouvais m'adresser au gouvernement, dit-il, je lui rappellerais qu'on est arrivé ici comme réfugiés. Normalement, on devrait payer moins cher le loyer. They should take care about the refugee. Les gens nous demandent beaucoup d'argent et c'est insultant. They are insulting us. Hello. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.